Madame Lomé, j'aime plus cette ambiance et ça m'a plu. Et ça me donne envie de continuer avec l'équipe Genesis. Voilà, c'est bon, on y va. C'était le premier jour de tournage de Village Jogu. On a commencé par tourner sur le pont métallique à Grand Popo. Et là, nous sommes en train de finir le tournage de Huida. Lève un peu la main. Voilà. Ça, c'est bon. Action. C'est une équipe de jeunes assez dynamique que je viens de découvrir et qui m'a, je crois, qui m'a convaincu depuis qu'on s'est connus. Qu'est-ce que ça a dit? Mok Béti, là. Tu filmes ma bite ou quoi? Nila représente un modèle d'artiste dans ce sens où elle réfléchit constamment à ce qui pourrait, à une musique qui pourrait s'ouvrir sur le monde, mais qui en même temps prendrait profondément ses racines dans sa culture, je dirais, de Ouida, du Bénin et d'Afrique de façon générale. Et je suis très fier de voir Nila Djoubé dans sa peau de bête de scène. Bravo à Nila Djoubé. Genesis a fait du bon travail. Priez, car avec la prière, vous aurez tout. Avec la prière, vous dominez tout. Alors priez, mes frères et sœurs, car c'est nécessaire pour cette vie que la grâce divine vous accompagne. Madame Lomé, dans ta voix.